Ouais. Voilà, donc on aura un Kuma contre Steel sur un map infini. Snowfall, Arctic. Oh, j'avais pas vu, c'est pas possible, c'est Warang. C'est la régie, si la régie me met des choses devant l'image. Bien joué, le 4-1. Il avait 90% de l'écran et il se plaint. Dommage, le under qui est pas trouvé. Moins 10, c'est pas puni. Kuma qui préfère bien sûr le B3 qui touche par terre, debout, à la relevée partout. C'est quoi le match-up là? C'est Warang, du Taekwondo clairement, ce qu'il fait. Ouais. Et Team Tick qui retourne sur ses personnages, son personnage principal. L'ours, il joue que les animaux. Un panda, un homme ours, un tigre. Bien joué de la part de Nidamé. J'ai l'impression que Warang dans ce match-up il est très mobile. Et ouais, bah peut-être que je me trompe, mais... Tous les deux ont leur force. Après, ce match-up, enfin les deux l'un contre l'autre, ouais. Je pourrais pas te dire. Okay. Du coup, je vais découvrir. Ça y fait mal là, Kuma. Ok, ça c'est safe ça? Ouais, c'est safe. Okay. Les Rage Drive, tout ce qui pinote en bleu, la plupart sont tous safe. Certains sont punissables, mais si c'est des rage drive low, ça dépend le personnage, chacun a son propre rage drive. Ah, dommage, j'avais moyen de faire une belle punition là. Ah, dommage, B3. J'ai le launcher qui est trouvé. Ça touche au sol, incroyable. J'ai B3. Ah, le frame qui passe pas. Oh non, 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 non. T'es la mèche. Bien sûr, ça tue. Bien sûr, ça tue. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Cette petite de F4, histoire de créer de la distance. Bien joué, le step. Une coupe F2, DF2. Ah, dommage. Le chat qui va passer. Bien joué. Il y a beaucoup de DF2 qui rentrent. Il en profite. On vient l'avantage, ça taquine sur les lots. Bien joué, le petit DB4. Mid comme tout à l'heure pour finir. Et 2-2. Dernier round en sachant que le gagnant va gagner ce premier match. Bien joué, le DF2 qui rentre. Ah, c'est dommage. Oh, allez, toi, tu me mets, je te relève. C'est quand même une relevée très dangereuse de base. Ouais. C'est vraiment pas conseillé de pouvoir faire ça. Après, en mix-up, ça peut bien tarder, sûr, bien sûr, exactement. Donc ça, on n'est pas aussi à négliger. Mais elle est très 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 dangereuse. Ah bah voilà, bien voilà, joué. Tout de suite. Les gars, faut écouter Tina. Hein. Bien joué. Et Team Tick Boobies qui préfère rester sur ce stage. Sans aucune hésitation, il rejoue direct 1-0 pour Nidaime. Un jeu, il faut pas arrêter le début, magnifique. Ah, c'est là. Okay, bien chopé, bien joué. Une punition. Ah, dommage. Garantie. On joue de B3. Oh là là. Les backdash sont intéressants. La manière dont ils reculent, ça fait bien whiffer l'adversaire. Voilà, ah bah, exactement. Ouais. Voilà, on part. Ouais, les gars, moi je dis, hein. Là, il voit tout. Hein. Ah ouais, la manière dont il fait ses adversaires, c'est intéressant. Logiquement, tu gagnes le tournoi, là, comment t'analyses et tout. Bah, il faut savoir que les ours ont les jambes assez reculées. Ouais. Voilà, ouais, exactement, c'est ça. Ouais. C'est exactement. C'est bien parce que Timmy connaît la force de son perso et il exploite au maximum. Warang, on est plus sur du pressing. Ouais. C'est ça. Sur des avantages, il a l'avantage. Oh, bien joué, ça. Ça finit, bien sûr, ça finit. Oh non, ça finit. Je voulais pas y croire quand tu l'as dit. Ah, c'est. Sans parler qu'il n'y a pas de mur. Ah, belle punition là. Garantie. Belle punition de la part de Nidaime.
Donc, oh, c'est dommage. Il y avait vraiment moyen de launcher là. Oh, il en profite. Magnifique. Là, il le tue là. On est d'accord. Ouais, il le tue. Lui. Oh ah, mais je crois qu'il a du drop. Ouais. Mais ça permet tout de même de remporter le match avec un 3-0. Ah, ouais. Bien évidemment. Laurent, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup les murs. Donc ça m'étonne pas qu'il puisse avoir pris une map qui est petite, dans laquelle il aurait les murs assez rapidement. Donc là c'est une map avec étage là qu'il a pris, je crois. Une map avec, voilà, c'est ça, avec un balcon. Donc pour lui ça va être facile de casser le balcon, d'avoir un combo derrière. Enfin, moi je pense que c'est un choix judicieux de la part de Nidaime. On verra comment s'appelle Kibobis, comment il va pouvoir réagir. Donc c'est parti pour ce troisième match 1-1. Et... bien joué, launcher qui est trouvé, ça va casser. Ah, ah dommage, et la punition qui est pas trouvée derrière. Bien joué, on sent la connaissance quand même du match-up de la part de Nidaime. Bien joué, ça tapine très bien de la part du magnifique le DF4. Il wall spot en counter, très bien d'abord de Nidaime. Mix-up. Oh, c'est dommage. Ça, il y a launcher de dessus. Il peut lever direct. Bien joué. Ça mix au mieux. Bien sûr, le pressing au mieux. Et ça, c'est du vrai Warang. Tac. Ça, c'est... Oh, c'est joli, launcher, filles, bien joué. Quand je parlais de risque. Ouais, là, c'est voilà, une grosse prise de risque. Faire payer. Oh, oh là 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 là, super cool. Bien joué Tinky. Il faut profiter avec ce power crush. Bien joué le counter B4, ça ça ramène au mur. Ou le combo, tac, tac, tac. Ouais. Ouais, ouais. Ça me fait rire parce que tous les autres personnes qui les soient Tekken, ils sont surpris des dégâts que. Mais ouais, mais. C'est bon, le combo va terminer, ouais. Ah, c'est dommage, garanti Rage Drive. Bien joué, ça, ça tue. Ça ramène au mur, ça casse le balcon. Ouais, et après, ça tue. Ah, bah oui. Ah. Ouais. Bon, là, ça m'étonne pas trop. Ouais. Bien joué, toi, Fash, de la part de Tinky. Ah, c'est dommage. S'il concrétisait un peu plus sur les 8, je pense que ça mettrait beaucoup plus dans le mal, Tinky. Bien joué, Tinky. Enfin, jouer le mix-up. Mid. Mid safe. Ok. Mid. Bien joué. Ah, c'est dommage. Bien joué, le launcher. Grosse prise de risque à part de Tinky. Ça casse le mur derrière. Oh ! Ah, faut savoir que là, le corps des ours permet pas de tout faire aussi. Et des fois, on se retrouve à dropper plein de combos pour adapter son combo contre ces gros persos. Ouais, je pensais que c'était plus simple, moi. Non, faut vraiment adapter. Quand c'est des filles, faut adapter ses combos. Quand c'est des ours, bien joué, Tinky. Bien joué, mix-up direct. Combo, bien joué d'apporter une dame. Il y a le 2-2. 2-2 qui va prendre ce deuxième match. C'est vraiment serré là. Hein. Ah ouais, je pense que ce deuxième match va faire du bien à la personne qui va le prendre. Oh, oh ça passe là. Non, bien joué. Oh, oh my god. Oh, oh. Ça c'est. Ah, je pense qu'il y a eu un gros missing poo. Il y a eu un gros missing poo de la part de Nidaime. Mais celui-ci s'est bien rattrapé. C'était chaud. Hein. Franchement, je suis chaud les fesses là. Ouais. Là, il y a 2-1 pour Nidaime. On est reparti sur le même stage. Tinky qui décide de rejouer sur le même stage pour lequel elle a choisi son adversaire. Là, je vais... Ah, dommage, c'était bien ducké, ça. On sent quand même un Tinky qui... Bon, bien sûr, non, c'est fort, ça, c'est fort. Il a vraiment décidé de jouer le mix. Oh. Je vais... Ah ça passe. Ça passe. Là, je vais... okay. Est-ce que ça a tué? Ouais, c'est Kuma, c'est sûr. Non, je pense pas. Je pense pas quand même. Ah, ça tue pas. Okay. Moins t'as de vie, plus ta rageur va faire des dégâts.
Sérieux? Ouais, c'est-à-dire que si t'es vraiment à 1 mm de. T'auras beaucoup, tu vas vraiment faire des dégâts si t'as ta passe. Ok. Bien joué. Je pense que c'est la meilleure option en fait à faire. Nos paris. Comme ça tu fais plus de dégâts. Là on l'a vu. Et derrière ça va. Oh la phase. Bien puni de la part de Yuki. Oh là. Ouais. Oh là là. Ça s'est rattrapé tout de suite. Hein. Voilà, ça casse. Ah. Bien sûr, ça casse. Step. Ah, oh, il a joué. Ouais, je pense qu'il a drop. Ouais. Non, il a préparé le jeu de mix. Launcher. Ok. Oh. Oh my god. Là, il y avait vraiment possibilité que Nidamee remporte ce match. C'est stylé ce combo. Et c'est Tinky qui concrétise avec un beau rage drive. Bien joué de la part de Tinky. Les 4 qui passent au counter. High crush. On va donner les scores. Ouais. Donnez-lui les scores. Hein. Nidamee, il n'y a pas de gestion d'un niveau. Ou un combo qui passe pas. Voilà, le launcher safe. No crush. Oui, Warang, il a ça. Oui, monsieur Warang. DB3 qui est bloqué. Moins 10, c'est dommage. Ah, la puni. Round décisive pour Nidamee là. C'est ça. Round décisive. Round qui lui permettrait de se diriger vers les winners final. Effectivement. Ouais. Vers les winners final. Eh oui. Mais Tinky Lubus qui a pas dit son dernier mot. Je pense qu'il est pas d'accord là. Ah, je pense que. Ça... Oh non, 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 malheureusement il peut pas. J'ai comme l'impression qu'il peut pas punir ça. Ok, ok. Il met la pression. Il essaie de jouer en mettant la pression. Il trouve des petites ouvertures quoi. Ah, dommage. Bien ouais, joué le finish. Magnifique. Ça, ça ramène au mur, ça fait des dégâts, ça tue. Ça tue. Ça tue. Incroyable. Ça tue. Hey, il a pas dit son dernier mot. Hein. Il revient des enfers. Avec quelques petites tâches. Il y a deux de brûlure. 2-2, c'est ça. Oh, ça repart direct. Ils ont pas le temps, les mecs. Ah, dommage, c'était bien TP ça de la part de Ndem. Ton score, tu le donnes au PO. Les adversaires s'observent, on sent. Oh, Launcher qui est tombé counter. Pas. Oui. Oh. C'était vraiment osé. Quel culot, mec. Quel culot. Vraiment. Bien puni de la part de Nidamee. Oh là là. Et là, on se trompe pas. Bien joué de la part de Nidamee. C'est FT2, c'est FT3. Non mais hey, maintenant c'est trop tard les gars. C'était que le round 1 qui est FT2. Qui t'a dit FT2? Je l'ai dit à Zephyr. Non, non, non. Je vous répète pas. C'est trop tard. Maintenant. On n'a pas le temps. Ah mais c'est trop tard. Ah. Oui. Ah dommage. Bien déchopé de la part de Sneaky Boobies. Oh là là, c'était bien bloqué. Au niveau du mind défensif, il avait tout vu Sneaky Boobies. Malheureusement, il a mal puni. Toujours la même pression de Warang. Bien joué de la part de Nidamee. Ah, le timer là par contre, non? Ouais. Oh là 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 là. Non, t'as pas ça. Ah, il presse mais il tape pas au bon moment. Ça c'est du vrai, ça c'est du bon ça. Et Nidamee une seconde fois qu'il y a la balle de match. Espérons qu'il là il va réussir à concrétiser. GFSR. Enfin, je crois qu'il y a direct. Bien joué. Ah c'est dommage. Ça faut bien. Enchaîner sur un combo, bien joué ça. Ouais. Pour empêcher la rage drive. Enfin le power crush. Une petite chop. Ça c'est une bonne option. On va assister à un petit comeback là. De la part de Tsuki. Il y a moyen je pense hein. Bien joué le Wolverine. Ah. Oh là là là. C'est pas la raison pour laquelle il drop énormément. Bien joué. Oh mais c'est
pense vraiment que sur ce perso, les choses qui passent pas, c'est pas possible. On peut pas avoir autant de drops, la pression. Counter. Ouais, ça, ça ramène au mur. Ça fait des dégâts, ça. Et ça, ça fait des... Oh, il a pas fait le combo classique. Il y a une ouverture, oh, bien vu. Ultra Fuscade, bien joué de la part de l'année. Nidaime. 3-2 pour Nidaime. Ouais.